Monsieur Pop, c'est quoi la BD du jour ? Plus ne met rien, le premier tome de la saga Sambre. C'est un peu Roméo et Juliette dans la France du 19e siècle. On est juste avant la révolution de 1848. Un jeune aristocrate, Bernard Sambre, est amoureux d'une jeune vagabonde aux yeux rouges, Julie. C'est un amour impossible et en plus il y a une malédiction, la malédiction des yeux rouges. Alors ça c'est l'édition originale, mais depuis toutes les couvertures ont été refaites et c'est une saga qui est une série en 8 tomes et 9 tomes pour une série annexe qui s'appelle La Guerre des Cendres. C'est une bande dessinée romantique, tragique, sombre et intense. Un poil fantastique et totalement passionné, avec un érotisme brûlant mais toujours élégant. Une série incontournable qui a plus de 30 ans, un véritable chef-d'œuvre. Le rouge, le noir, ça a la couleur d'un Stendhal pour le dessin et ça a le goût d'un Balzac pour l'histoire.